Bonjour, je suis Alain. Bienvenue pour ces cours d'astronomie sur netprof.fr. Aujourd'hui, c'est quoi une comète? Une comète, c'est quoi? Eh bien, tout d'abord, les comètes, c'est connu depuis l'Antiquité. On les connaît depuis la très haute Antiquité avec les Chinois, les Égyptiens. Et c'est un phémomène qui apparaît dans le ciel de façon soudaine, inopportune, et ça a très souvent été associé comme un présage, bon ou mauvais. Ça fascinait les foules, ça les a fait peur, et ça augurait de malheur ou de bonheur parmi les populations. Et les grands dirigeants des civilisations ont souvent exploité ces apparitions soudaines à leur profit pour influencer le cours de l'histoire. Donc, comme par exemple ici, la célèbre comète de Halley, qui revient périodiquement tous les 76 ans, eh bien, cette comète est apparue dans le ciel en 1066, à l'époque de la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Donc ici, vous avez la fameuse tapisserie de Bayeux, que l'on peut admirer à Bayeux, en Normandie, une tapisserie du XIIe siècle, qui raconte cette épopée, la conquête des Normands. Et justement, comme elle a eu lieu en 1066, la comète de Halley, ici marquée en latin, ils admirent l'étoile. Eh bien, regardez, les Normands admirent l'étoile, la comète de Halley, et c'était pour les Normands effectivement un bon présage, car ça augurait d'une victoire facile et rapide sur les Saxons. Et si vous voyez d'ailleurs dépité le roi Harold, le roi des Saxons, qui est en train de se pendre. On a aussi les Chinois qui connaissaient, qui ont étudié très bien les comètes avec le livre de la soie du 4e siècle avant Jésus-Christ, qui apparaît comme le premier atlas des formes cométaires, avec des comètes, une classification des comètes en fonction de la forme de leur queue. Alors une comète, c'est quoi ? Une comète, ce sont des objets actifs, donc variables. C'est quelque chose qui évolue en fonction du temps. Ce sont des objets qui sont sur des orbites très elliptiques, c'est-à-dire des objets sur des orbites très allongées, avec une excentricité, on l'a vu, un chiffre qui dénote l'écart par rapport à la circularité, donc des excentricités très proches de 1, et des orbites qui sont aussi souvent très inclinées sur l'écliptique, l'écliptique étant le plan moyen de la Terre, le plan orbital. On connaît environ 1000 comètes qui sont périodiques, c'est-à-dire qui reviennent régulièrement autour du Soleil, et ou non périodiques. Et la composition d'une comète, c'est quoi? Eh bien, une comète, c'est fait d'une boule, un gros noyau, une boule de neige sale. C'est le modèle que l'on a adopté à partir des années 50, et qui signifie tout simplement que c'est un mélange infâme de roches, de poussière, avec une grande quantité de glace. Mais la glace, c'est quoi? Pas seulement de la glace d'eau, mais de la glace de gaz carbonique, la glace de monoxyde de carbone, etc. Et aussi des molécules dites organiques. Alors les molécules organiques, c'est quoi? Ce sont des molécules très complexes, donc des longues chaînes carbonées, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote. Des molécules organiques, tout simplement parce que ce sont des molécules organiques donc, qui sont à la base de la matière du vivant. Les acides aminés, par exemple, on en a trouvé dans les météorites et dans les comètes. La taille typique pour une comète, c'est entre quelques dizaines de kilomètres. Moins d'une dizaine de kilomètres. Alors, on a dit que les comètes, ce sont des objets actifs. Les astéroïdes, on l'a vu dans un précédent cours, ce sont des objets qui sont inertes, comme des étoiles brillantes, c'est tout, qui ne varient pas en première approximation. Néanmoins, la transition, la frontière entre astéroïdes et comètes reste floue. Deux exemples. Dans les années 1977, on découvre un astéroïde, l'astéroïde 2060 Chiron, qui avait déjà une orbite très bizarre, puisque pour la première fois, on trouvait un astéroïde qui orbitait dans les parages de Saturne, donc très très loin, là où il fait très froid. Bon, c'est un objet
inerte, on l'a cataloguée en astéroïde. Mais c'était une orbite assez allongée, c'est elliptique. Et quand l'astéroïde Chiron s'est rapproché un peu plus près du Soleil, au cours de son orbite, eh bien, on a découvert une espèce de coma, de chevelure autour de l'astéroïde. Et ça, c'est typique des comètes. Une espèce de brillance qui augmente en fonction de la distance au Soleil. Eh bien, depuis lors, et cet astéroïde, on l'a appelé aussi une comète. Donc, l'astéroïde Chiron est un des seuls objets du système solaire à avoir la double dénomination, astéroïde et comète. La comparaison inverse. On connaissait la comète Wilson-Harrington en 1949, et puis on l'a plus retrouvée. Pendant des années, pendant des décennies, on l'a plus retrouvée. Elle avait disparu du paysage. Et en 1979, on découvre un nouvel astéroïde qu'on appelle 4015. Il se trouve que cet astéroïde, nouvellement découvert, donc, a exactement la même orbite que la comète disparue Wilson-Harrington. Et on comprend finalement que cet astéroïde et cette comète, et c'est bel et bien le même objet. Donc il semblerait effectivement que cette comète se soit éteinte et qu'on l'ait donc maintenant assimilée à un astéroïde. Alors qu'est-ce qui se passe ? Alors un astéroïde, c'est un corps composé de roches, donc qui ne dégaze pas, qui ne fond pas. Et une comète, c'est un objet composé essentiellement de glace. Alors ici, nous avons un modèle de comète. Donc la glace est en jaune, avec de la poussière, de la roche, qui est colorée en rouge. Au fur et à mesure que la comète s'approche du Soleil, au fur et à mesure de ses révolutions autour du Soleil, eh bien la glace, elle fond, elle sublime, on dira. Elle passera directement de l'état solide à l'état gazeux. Elle s'échappe donc au fur et à mesure de ses révolutions autour du Soleil. Et en même temps, la poussière qui était piégée dans la glace se disperse aussi. Et petit à petit, on a effectivement épuisement de la couche de glace et de poussière, et éventuellement obstruction de la couche glacée par la matière pierreuse. Et donc on peut aussi avoir arrêt de la sublimation des glaces, tout simplement parce qu'il s'est formé une espèce de croûte. Donc tout comme les volcans, on pourrait dire que les comètes peuvent avoir des épisodes, des phases où l'activité s'éteint, voire complètement, définitivement. Pardon. Et donc la transition entre astéroïdes et comètes est quelque chose de pas très bien clair pour les astronomes, et c'est toujours un sujet d'étude. Alors, une comète, voyons-en quelques-unes, parce que c'est quand même un spectacle absolument magnifique. Et au siècle dernier, le 20e siècle, on a pu assister à l'apparition de magnifiques comètes, comme en 1996, la comète Yakutake. Donc on a effectivement cette structure très impressionnante avec des queues et cet éclat variable qui accompagne la comète. On va regarder et étudier ces différents partie de comète. Donc ici vous avez une autre très belle comète, d'ailleurs on l'appelait la comète du siècle, la comète Albop, à apparition la plus proche du Soleil en 1997, mais elle était visible pendant de longs mois dans le ciel. Bien cette comète Albop, regardons comment elle est faite. Faisons l'anatomie d'une comète. Alors vous avez le Soleil qui inonde de lumière et de particules tout l'espace. Donc vous avez la lumière du Soleil qui est dirigée radialement. Et puis vous avez aussi le vent, ce qu'on appelle le vent solaire. Donc c'est un vent de particules électrisées qui s'échappe du Soleil, qui aussi balaye tout le système solaire. Et ce vent est constitué essentiellement de protons et d'électrons. Donc c'est un vent de particules chargées. La comète tourne autour du Soleil et arrive un peu plus près du Soleil. C'est ce qu'on appelle le moment où
du périhélie, où là, l'activité est absolument le plus important, bien cette comète, elle se déplace autour du Soleil, et il apparaît, effectivement, à ce moment-là, une structure, la structure cométaire. Tout d'abord, cette queue qui peut prendre des centaines de millions de kilomètres de longueur, qu'on appelle la queue de plasma. Plasma veut dire gaz ionisé. Et cette queue de plasma, elle est diamétralement opposée au vent solaire. Eh bien oui, c'est normal, tout simplement, parce que comme la queue de plasma est ionisée, eh bien, elle est repoussée par le vent solaire qui est aussi chargé électriquement. Vous avez aussi la deuxième queue, qui est la queue de poussière, qui est éclairée tout simplement par le flux lumineux du Soleil. Et elle est repoussée gentiment par la pression de lumière du Soleil. Donc un petit peu incurvée, mais pas totalement dirigée dans la direction antisolaire comme l'est la queue de plasma. Nous avons ici, donc les deux queues sont très très longues, plusieurs centaines de millions de kilomètres. Ici, vous avez la coma en grec, en français la chevelure. C'est donc une espèce d'atmosphère très ténue qui entoure la comète et qui peut faire plusieurs milliers de kilomètres de diamètre. Et à l'intérieur de tout ça, à l'origine de ce spectacle magnifique, eh bien, c'est un petit bout de glace de quelques kilomètres de diamètre, dans le cadre de la comète de Halley. Ici, c'est une image de la comète de Halley. C'est 4 km de diamètre. Et vous voyez, c'est la sonde Giotto qui a ramené cette image, c'est la première image d'une comète. Eh bien, finalement, ce qu'on regarde, ce qu'on voit, c'est que la surface est extrêmement sombre, extrêmement noire. C'est en fait plus sombre que du charbon. Tout simplement parce que c'est de la glace qui a été mélangée avec de la matière organique, de la poussière. Et on voit aussi, effectivement, que les zones qui sont actives, elles ne couvrent pas toute la surface de la comète. Seulement 10% de la surface est active. Alors ici, les comètes, on voit des comètes grâce à un instrument qui observe le Soleil. Alors les comètes, elles s'approchent très près du Soleil. Celles qui sont trop trop proches du Soleil, on ne les voit pas. Et cet instrument, qui est un télescope spatial qui s'appelle SOHO, est équipé d'un coronographe qui permet de cacher la luminosité, l'éclat du Soleil. Donc ici, vous avez ce cercle blanc qui représente le Soleil et le disque qui cache la lumière du Soleil. Ça permet de voir tout ce qui se passe autour, en particulier donc, la couronne, les éruptions solaires. Et ça permet de voir effectivement tout ce qui passe à proximité du Soleil. Donc c'est ce que SOHO a découvert, des comètes par dizaines, des comètes qui finissent leur vie dans le Soleil, pour qu'elles passent très très près, donc qui sont complètement vaporisées, et ce qu'on a appelé les comètes héliorasantes. Là, ici, on en voit deux qui passent très très vite près du Soleil. Alors, une autre belle comète que l'on a vue récemment, mais elle est passée tellement près du Soleil qu'on la voyait dès que le Soleil se couchait. Donc ici, c'est au Chili, à l'observatoire du Mont Paranal. Donc on voit cette comète très très belle, avec une très longue queue de poussière. Cette comète était très poussiéreuse. C'est la comète MacNaught. Elle est passée à 0,17 fois la distance Terre-Soleil le 13 janvier 2007. Bien entendu, aucun télescope ne pouvait le voir parce que c'était vraiment... ça suivait juste après le Soleil. Vous voyez, ici on est au Soleil couchant, donc les télescopes ne peuvent pas pointer près du Soleil, et donc la comète était très très basse sur l'horizon. Les seuls instruments qui pouvaient le voir, c'était l'œil, mais c'était un spectacle saisissant. Et bien entendu, les télescopes dans l'espace, comme par exemple le télescope SOHO, l'observatoire SOHO. Et là, on la voit très bien, vous voyez comment elle est très, très, très grande, très lumineuse, et elle passe au plus près du Soleil à 0,17 unités astronomiques. Et là, on voit aussi le passage de Mercure à proximité du Soleil. Alors depuis la comète de Halley en 86, survolée par la sonde Giotto, plusieurs autres missions ont pu étudier en détail des comètes en y allant. Et récemment, la sonde Deep Impact, en 2004, une sonde de la NASA,
avec comme objectif, ni plus ni moins, que d'aller bombarder une comète pour en révéler l'intérieur. Et cet impact de la comète a eu lieu en juillet 2005. Et l'objectif était d'étudier comment un cratère pouvait se former, la physique des collisions n'est pas très bien comprise, déterminer le diamètre et la profondeur de ce cratère, comprendre la composition de l'intérieur de la comète et les éjecta, et puis voir si ça produit un changement d'activité de la comète. Et bien, voici l'image de la comète. Donc, vous voyez que une image de comète, c'est tout simplement comme un astéroïde, sauf que la composition, elle est faite de glace d'eau essentiellement. Et c'est une forme absolument astéroïdale. Et quand cette comète s'approche près du Soleil, bien cette glace sublime. Alors ici, on a la vidéo de l'impact. Donc le bolide arrive pour impacter. C'est l'impacteur, en fait, arrive sur la comète. Et c'est les dernières images de cet impacteur qui s'est écrasé sur la comète. Et donc, il y avait la sonde jumelle qui a observé le phénomène après l'impact. Et les astronomes ont pu étudier effectivement ce phénomène et puis le dégazage produit et l'intérieur de la comète. Donc ceci conclut ce cours sur les comètes. Je vous remercie.